Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un daily vlog sur la préparation de mon Erasmus. Donc si vous n'avez pas suivi, je vous ai annoncé ce départ dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui on va retracer tout ce bordel, cette organisation, et cela va se faire en plusieurs vidéos. Donc rendez-vous tous les jours à 18h pour suivre ces péripéties. Et si vous voulez un peu plus de direct, rejoignez-moi sur Instagram. Donc j'ai reçu mes fameux micros, c'est la marque Gimpro, je crois. Donc c'est celui-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est des micros qui sont directement reliés à l'iPhone. Donc c'est un micro-cravate plus un récepteur qui se met sur l'iPhone. Donc ce serait pour les vlogs à Athènes. Donc vlogger dans la ville puisque je vais pas me trimballer avec ma caméra. Et j'ai acheté ça hier, ça arrive aujourd'hui. J'attends toujours le sac pour Prince parce que j'en ai commandé deux autres. Ah, mon colis H&M est prêt à être retiré. Oh, on va y aller du coup. Donc là, j'ai mis à charger. Je sais pas s'il fallait charger ou pas, mais j'ai mis à charger le petit truc. Donc c'est dans une boîte. Après, je sais pas si ça vous intéresse, ce genre de choses. Je vais essayer de le tester vraiment vite fait. Après, au niveau des moumoutes, elles sont pas incroyables. J'aurais voulu un peu plus fluffy. Donc là, on teste avec le micro de la caméra. Et là, par contre, on va tester avec le micro ça. Donc on va essayer de l'installer. C'était extrêmement simple en utilisation. T'as juste à les enlever de ta charging box. Et après, bah, ça se connecte automatiquement. En soi, ça va, c'est discret. Non, mais je pense qu'on peut un peu plus l'ajuster. Donc voilà, si je le mets ici, ce que ça donne. Et si, par exemple... Genre, je le mets à l'autre bout, on n'entend pas beaucoup, tu vois. Et aussi, pour faire mes voix off à Athènes, ça sera vraiment pratique. Je voulais prendre mon micro au début. Et au final, c'est beaucoup trop lourd, donc ça ira parfaitement. Et voilà ce que ça donne, genre sans micro. Donc à Athènes, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de bruit, il y aura peut-être du vent, donc on n'entendra pas forcément avec la caméra. Donc c'est pour ça que j'ai pris un micro au cas où. Et du coup, pour le son, je suis pas très très fan. Je pense qu'il faudra l'ajuster peut-être au montage. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu aigu, donc faudra que je retouche le son si j'y arrive. Mais en tout cas, franchement, pour 50 euros, je suis assez contente de moi. J'en ai pris deux, pourquoi? Parce que je voulais, au cas où, si un micro est déchargé, bah, au moins j'en ai un autre de rechange. Nous sommes le même jour, hein, rassurez-vous, c'est juste qu'entre temps, je suis devenue une bad bitch. Je vais filmer la vidéo Erasmus et j'ai fait un petit shooting. Du coup, Moïsia! C'est le même. J'espère que c'est ta taille maintenant. Ah oui, on met un plastique plus un autre au cas où, t'as vu. Déjà, ça me paraît beaucoup plus grand. Ça me paraît beaucoup mieux. Principe, tu veux essayer? Ah oui, c'est beaucoup plus grand là. Oui, oui, alors là, je valide déjà un peu mieux. Maintenant, on va voir si Principe... T'es prêt mon chat? C'est trop cool si celui-ci te convient. Déjà, niveau bandoulière, déjà c'est bien. Mon chat, t'as grave de la place. Franchement, si tu fais ta... Hein, si tu fais ta bichette, là t'abuses. Hein. Allez, on essaye mon cœur. C'est tout nouveau pour toi, je le sais. Mets tes pattes à l'intérieur. Oui, c'est bien mon amour. Non, comment qu'on fait? Attends, j'essaie de comprendre comment qu'on fait. Là, tu te mets là. Voilà. Ensuite. Oh, ce bordel. Oui, oui, c'est ça mon cœur. Vas-y, mets ta patte là. Attends, on va y arriver. Oh, putain, Prince, tu rentres. Attends. Non mais Prince, t'as grave de la place. Arrête de faire genre. Imagine à Athènes, tu vas pouvoir sortir avec moi. Sachant que t'auras un harnais, hein, parce que je t'ai acheté un harnais pour éviter que tu sortes de là. C'est même limite trop grand quoi. Faut que j'adapte. Mais trop bien. En plus, ça va, il est pas très lourd. Ça va Prince? T'as un peu de place quand même, hein. Non, t'en penses quoi? T'aimes bien? Bon, dans tous les cas, attends, j'ai envie de voir dans le miroir ce que ça donne. Attends, je vais prendre une photo, c'est trop drôle. Bon, j'ai perdu mon téléphone. Mais en tout cas, c'est la bonne taille. Donc ça, c'est cool. J'attends juste l'autre sac pour voir si c'est un petit peu mieux pour lui. Mais déjà, celui-ci, il est beaucoup plus sécure. C'est validé en tout cas. Vous vous rappelez de ça, le truc pour l'enfant de ma soeur? Bah, ça irait parfaitement. Vends ça! Je pense qu'elle m'en voudra pas si je l'utilise parce que c'est exactement ce qu'il faut. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc ça, je pense que bah... Je vais le garder pour moi, pour Principe, et après je laverai, je donnerai pour le petit bout de chou. Bah tiens, aussitôt mis, aussitôt installé, monsieur Principe, c'est déjà mieux que le rose, parce que le rose était beaucoup trop épais. Ça va mon cœur? T'aimes bien ce plaid? Celui de ton neveu. Non, de ton cousin. Je sais même plus. A few moments later. J'ai acheté une valise. Et la valise, elle est énorme. Elle doit faire au moins un mètre de haut. En fait, j'en avais déjà une de valise. C'est celle que mon père m'a filée, que j'ai depuis Noël. Donc, il m'a prêté cette valise-là. Sauf que le problème, c'est que... Ah ben là, elle roule bien. Mais de un, elle est un
peu trop petite. De 2, pour mettre Prince ici, c'est un peu bancal, j'ai essayé. Et de 3, les roulettes, elles buguaient. Genre, il y avait des roulettes qui disaient... ah bah voilà, comme là maintenant, ça peut pas avancer. Mais c'était... enfin, voilà, j'essaie d'avancer, ça marche pas. Du coup, là, c'est beaucoup plus fluide. Et là, la roulette avant, là, elle... Voilà, là, elle bug, en fait. Et avant ça, je suis allée à Carrefour, vite fait, pour acheter des petits trucs, genre, pour le petit déjeuner. J'ai pris des oranges à jus. Alors, elles sont extrêmement petites, mais c'était 1€. Des tomates cerises, des bananes. J'ai pris aussi le truc limite de consommation, là, à 2€. C'est un peu cher, en fait, je viens de capter. Mais c'est super bon, c'est une mousse au chocolat, elle est archi bonne. Et j'ai pris aussi des glands. J'en ai mangé un, j'ai pris aussi une salade que j'ai déjà mangée. Regardez mon bouquet de fleurs, comment il s'est bien ouvert, je suis trop contente. Mais par contre, sale pistil. Hein mon chat? Bah ça tâche? Oui. T'aimes bien manger ces feuilles là, c'est la dernière fois que je prends ça. Parce que ça, il kiffe bouffer et après il vomit. Petit couillon. Donc j'ai mangé et tout, donc au moins ça c'est fait parce qu'il est quand même 16h41. J'avais pas mangé depuis hier soir. Donc c'est pas formidable, j'ai envie de me faire un café, là, un petit chai latte. Mais d'abord je vous montre ce que j'ai pris à Primark. Alors déjà j'ai pris ce sac à main, j'en ai un blanc que je saigne, que j'adore, je trouve ça magnifique. Du coup j'en voulais un noir depuis bien longtemps pour partir à Athènes, en plus c'est petit. Même pour Paris etc, c'est pas mal. Donc j'aime beaucoup en fait le petit style comme ça, je trouve ça super joli. Bonne qualité, il y a un petit anneau ici, franchement trop bien. Par contre il m'a coûté 11€, ce qui est un peu cher. Ensuite j'ai pas encore essayé le maillot de bain vert que j'avais acheté. Mais j'ai pris le haut cette fois-ci, mais pas le bas, en bleu. Donc je l'ai pris en taille S, j'espère que ça va m'aller parce que c'est taille 38-40. Prince non, mais laisse le sac tranquille. Ensuite j'ai pris des petites bougies cœur, je trouvais ça assez choupi. Voilà, ça va être la Saint-Valentin bientôt, avec Prince on va se faire un petit truc. Donc écoutez, voilà, 3,50€, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, ah ouais, c'est des petites bougies comme ça, mais c'est trop chou, j'aime trop. Donc 3,50€ pour ça. On a 3, on va se faire une soirée en amoureux mon cœur. Oui hein. Et ensuite, ce qui me manquait vraiment beaucoup, c'est des lunettes de soleil. Alors j'ai racheté mes lunettes de soleil, donc celles-ci, parce qu'il y a quelqu'un, un de mes amis qui me les a volées. J'ai des suspects en tête. Mais je trouve que voilà, c'est pitoyable de leur part de m'avoir volé mes lunettes de soleil, parce que mes lunettes de soleil, elles ont fait un carton cet été, genre ils ont tout ce qu'il fait les mettre. Donc voilà, c'est des lunettes style Man in Black. Enfin voilà, Prince le sac s'il te plaît, va jouer là-bas. Tiens, bah je me suis repris ma paire, hein, voilà. Et j'ai pris la même chose en rose, et j'en ai pris deux, pourquoi? Pour Cindy, parce que Cindy, Prince! Cindy elle adorait les lunettes, et donc elle arrête pas de les voler. Donc je l'ai pris en rose parce que Cindy adore le rose. Prince, laisse le sac Primark tranquille, je vais te bisoutifier. Donc j'ai pris ça pour moi. J'ai pris d'autres paires, je trouve ça sympathique. Genre style c'est parisienne. Vraiment, mais what the fuck, je me suis dit vas-y pourquoi pas Elisa, c'est rigolo. Une comme ça, rectangulaire. Voilà, rien d'intéressant, de ouf, 3,50€. Ensuite, H&M Home, du coup, fait donc la petite commande. Ça, je vous l'avais partagé dans un de mes vlogs. J'ai acheté, je suis trop fan de cette collection. D'ailleurs, les prix ont augmenté en magasin. Il y en a certains, c'est 1€ plus cher, what the fuck. Oh, j'adore, je trouve ça magnifique. Alors pour H&M Home, ils ont fait une nouvelle collection, ça je vous l'avais montré dans mes vlogs, avec des petites tasses et tout, les trucs de lait trop mignons. Donc j'ai pris la collection en vert. Donc c'est pas si cher que ça, hein. Ça allait franchement, en plus c'est de la porcelaine. Donc j'ai pris les petits pichets de lait, j'ai trouvé vraiment sympathique. C'est vraiment mignon. Et ensuite j'ai pris deux fois ça. C'était 4€, vraiment pas très cher, la coupe est en porcelaine et ça c'est en céramique je crois, donc franchement trop mignon, ça fait effet un peu bistrot, enfin voilà, je trouve ça trop chou. J'en ai pris deux comme ça et j'ai pris ce style cappuccino, donc voilà ce que ça donne. Prince le sac, j'en peux plus. Donc voilà, c'est trop mignon, ça c'était 5€ ça. Ou un peu moins, je sais plus. Et j'ai pris aussi des petits bols. Je me suis fait plaisir, ça fait très longtemps que j'en voulais un. J'ai pris un petit bol en manguier, je crois. C'était 17€. J'aime beaucoup ce genre de petits trucs. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Et ensuite, j'ai pris 3 petits bols pour 15€. Donc celui-ci, celui-là et celui-là. Donc c'est 3 petits bols. 3 mimes pour les apéros, etc. Moi j'aime trop. Donc voilà pour le haul et puis pour cette journée.
Hier, j'ai fait un peu le ménage parce que vraiment, c'était une catastrophe. Et j'avais allumé des petites bougies, sauf qu'en soufflant, bah, ça en a mis partout. Après, ça s'en va, hein, vous voyez, c'est n'importe quoi. J'ai mis aussi à tremper tous les trucs pleins de calcaire, genre bah, ça par exemple, truc pour le café. Et aussi, j'ai fait ma bouilloire incroyable. Le vinaigre, c'est un truc de ouf. En tout cas, ce produit-là, vinaigre ménager, par contre, il pue sa mère. Hein. Vraiment très bien. Par contre, ça, savon de Marseille, je vois pas ce qu'il fait. J'ai pas l'impression qu'il nettoie, j'ai l'impression que ça graisse plus qu'autre chose. C'est une solution ultra dégraissante. Ouais, parce que ça me fait vraiment gras à frais, donc c'est pas, je sais pas, c'est bizarre. Donc j'ai fait ça, j'ai fait aussi la gamelle de prince. Genre là, avant, voilà, il en reste encore un peu là, un petit peu de blanc, mais là, tout était blanc. Tout, donc là, j'ai nettoyé. Regardez-moi, ces fleurs, elles sont en train de s'ouvrir. Donc j'ai enlevé les pistils, je sais que ça dénature un peu la fleur, etc. Sauf que quand ça tombe sur ma table, qui n'est pas la mienne, qui est celle du propriétaire, bah ça tâche. Je vais me faire un petit café, j'ai lavé mes petites tasses du coup. Regardez ça. Ça fait vraiment très bistrot parisien. Franchement, si j'avais eu un bistrot, j'aurais acheté ça. Si vous vous souvenez, j'avais aussi nettoyé ce genre de choses avec de la pierre d'argent. Et au final, tu laisses tremper dans un truc avec du vinaigre. Et tout est parti. C'est incroyable. Alors qu'avant, le vinaigre pur, celui que j'achetais, ça fonctionnait pas. Mais là, celui de chez Paulette, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est vinaigre, c'est du vinaigre. Je pense que j'ai mis un peu trop de lait. Après, j'en ai mis beaucoup moins. J'en ai mis là. Il faut que je le fasse là. Comment je saurai la prochaine fois. Mais là, c'est tout pile. Oh, j'adore. Je sais pas si vous allez le voir. Principe! Coucou! Mais c'est ça! Mais t'es trop beau, mon cœur! T'as des trop beaux yeux! Oui, on a un monde, t'es beau! Nous sommes le 10 février. J'ai retesté le sac de transport pour Prince hier soir. Prince n'a pas kiffé du tout. Donc j'en ai un autre qui arrive demain en espérant que celui-ci fonctionne. Enfin, que ça soit bien pour lui, genre pas trop galère. J'ai hésité aussi à garder le micro que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Parce que vraiment le son, il y a un petit truc aigu qui me gêne. Je sais pas si je vais le garder ou pas, on verra. Le programme d'aujourd'hui, c'est de faire la valise. Alors j'ai repoussé ce truc là jusqu'à vendredi, du coup on part jeudi prochain. Enfin je pars jeudi prochain. Je ne sais pas du tout quoi mettre dans ma valise. Vraiment j'ai des petites idées etc. Mais je suis un peu perdue, j'ai jamais fait de valise pour des aussi grosses durées. Il faut que je prenne et de l'hiver. Et de l'été, parce qu'à Athènes il fait un coup chaud, un coup froid. Donc là actuellement à Athènes il fait 10 degrés, donc je vais prendre qu'un seul manteau en doudoune que je mettrai avec moi pour aller dans l'avion. Il faudra des pulls, genre il faudra aussi des hauts summer, etc. Donc avec mon père on a prévu un truc, mon père me rejoint à Athènes avec ma belle-mère et son chien au mois de mai pendant 3 semaines je crois. Du coup il va repasser chez moi et il va prendre des affaires que j'aurais déjà prévues ici. Dans un petit sac sous vide, parce que j'ai acheté des sacs sous vide, hein. Enfin voilà, il me faut un maximum de place. Donc je vais essayer de lui mettre des trucs d'été, genre des robes d'été, etc. dans les sacs sous vide pour qu'il me le ramène et que moi je lui file à Athènes les affaires d'hiver, qu'on fasse un échange. Bref, on va s'attaquer à la valise. J'ai mis un petit peu de côté des trucs, notamment ça, genre du thé. Voilà, je sais pas, je me dis peut-être du thé, ça peut fonctionner. Donc j'ai pris du thé, du sucre, des trucs pour faire du café, enfin... J'ai essayé de faire au mieux, je me dis que ça peut pas prendre autant de place que ça, tu vois. Parce que je sais pas ce qu'il y a là-bas comme bouffe. J'ai peur au niveau de la bouffe. Je vais aussi prendre du muesli. Vous savez, les petits trucs de muesli, je vais essayer de prendre ça pour manger le lendemain matin. Mais surtout, ce que je dois prendre, c'est les croquettes de prince. Et les pâtés, je pense, diminuer la dose de moitié. Pas lui donner un sachet entier, mais un demi-sachet. Comme ça, ça me réduira le nombre de sachets qu'il faut que je prenne. Voilà pour l'introduction qui a duré 4 minutes. Incroyable, je sais pas par où commencer. Déjà la valise, je vous la montre. Je vais avoir une grosse valise, une petite valise, Prince plus mon sac à main. Je vais pas m'en sortir. Donc il faut que ça soit pratique. Je sais pas si vous verrez la taille, mais ouais, c'est beaucoup plus grand et plus large. Et surtout, ça roule! Regarde Patrick comment ça roule, regarde comment c'est fluide. Et donc ça je l'ai acheté à Primark à 50 euros, je pense que vous voyez le prix, voilà. Et à l'intérieur, au moins c'est très espacé, on peut bien ranger, surtout mes housses
rentre dedans. Et j'ai pris 25 kg. Il faut que l'intérieur fasse 20 kg. Ouais, c'est faisable. Enfin, j'espère. En fait, c'est juste Prince et sa bouffe qui me rajoutent du poids. Puis j'hésitais en fait à prendre cette valise-là, mais le truc, c'est que... Bah au moins il y aura une grosse valise pour toute la famille, voilà, si ma soeur a besoin, mon père a besoin, au moins il y a une grosse valise et puis voilà, au moins ça sert pour toute la famille, ça sert pas que pour moi, parce que moi je compte pas partir pendant des mois à chaque fois, enfin j'aimerais bien hein, mais c'est pas possible. Déjà que là j'ai galéré, j'en pouvais plus, j'étais au bord des larmes, non même pas au bord des larmes, j'ai pleuré. Elisa, tu as pleuré, arrête de te voiler la face, tu as pleuré. Donc mon cœur, on va commencer à faire la valise, allez. On va déjà enlever les étiquettes. Oh putain de merde, je stresse, Prince, je stresse. À tout moment, Transavia fait grève, le logement Airbnb il est pas prêt, je sais pas, il y a une merna. Il y a toujours une merna de toute façon. Tout le temps une merna. Comment on enlève cette merde? Ok, comme ça. Bon, je pense que Prince il aime bien. J'ai mis la valise là, mais je sais pas si je vais faire la valise ici en soi. Même si j'ai plus de place, donc ce serait beaucoup plus pratique. Je sais pas par où commencer. Je commence par quoi? En soi, faut commencer par les vêtements. Après, j'ai déjà commencé à mettre des trucs de côté, attendez. Par exemple, dans la salle de bain, au moment où j'ai fait ma réorganisation, j'ai fait une pharmacie, donc hop, on va prendre la pharmacie. J'avais des petits trucs comme ça que j'aimerais prendre. J'avais mis toutes mes miniatures ici, donc dans un sac pour pouvoir les prendre avec moi. Il y a encore de la pharmacie. Ensuite, il y avait tout ça, vous savez, j'avais acheté plein de petits t-shirts, des chaussettes, des pyjamas, etc. Bah, c'est pour l'Erasmus, il y a encore les médicaments, des collants, des maillots de bain, le harnais pour Prince. Ça, c'est aussi des affaires. Donc, mon père m'avait acheté le livre pour Noël. Je voulais pas montrer ça. Donc, il y a encore des petites affaires, genre un tote bag, des affaires, les câbles et tout, les chaussettes, encore un truc de voyage, enfin voilà. J'avais déjà commencé à mettre de côté, du coup. Ah oui, il y a ça aussi que j'avais mis de côté. Enfin, j'ai mis de côté un peu partout. Je mets tout dans un sac, en fait. Ah oui, du coup, je vous avais pas montré ce que j'avais reçu de Chine. Donc, hier, je l'ai reçu. Donc, ça, un daily planner, je le trouvais super beau. Donc, il se présente comme ça. Voilà, avec les menus, les priorités, les rendez-vous, le mood, si on a bu de l'eau, le workout. Les daily edits, enfin voilà, je trouve ça pas mal. J'ai aussi pris ce petit cahier là, il est trop même celui-là. Le lesson planner, je savais pas à quoi il ressemblait sur le site, il n'y avait pas marqué. Mais voilà, ça ressemble à ça. Alors je sais pas trop comment je vais m'organiser avec ça, mais je pense le prendre. Je pense que ça peut toujours le faire. En vrai, je suis paniquée. Ça se voit là, ça se voit pas trop. Je suis contente de partir, mais je stresse énormément. Après, moi, si j'oublie quelque chose, je peux racheter sur place peut-être, mais enfin, évitons de dépenser de l'argent pour rien, s'il vous plaît. Je vais demander à ma soeur, parce que vraiment, je sais pas. Ma sœur est au boulot, elle va me répondre 15 ans après, bien évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener tout ce que je pense prendre. Et je vais le noter sur mon iPad déjà pour savoir tout ce que j'ai dedans. Tous les pyjamas, les chaussettes, combien de chaussettes j'ai pris. Le cosmétique, voir tout, si tout est bon. La pharmacie, faut que je fasse une pharmacie. Ok, là je panique. Là, je suis en train de paniquer. Ce n'est rien, ce n'est qu'une valise à faire. Pourtant les gars, j'ai regardé des vidéos YouTube et tout pour savoir ce que je devais prendre dans une valise pour un trip. Il y a rien d'intéressant. C'est genre, oui, prends tes culottes, tes chaussettes. Mais oui, je sais, mais est-ce que t'as une astuce, t'as un truc, des trucs bien? Je panique. Bon, vous allez rien voir, mais en gros, j'ai fait ça. Pour l'instant, bon, je pense qu'il y a plein de choses, mais au moins, je note ce qui m'est passé par l'esprit. Ma sœur, elle m'a dit... Je veux plus. Je lui ai dit, Mimi, on met quoi dans une valise pour 4 mois et demi? Elle m'a dit la même chose que pour un mois. Allez, bon courage. On appelle ça une sœur, hein. Merci, ma sœur. Par contre, ça caille dans l'appartement, c'est horrible, il fait super froid. Du coup, je vais faire la pharmacie, donc tout ce que je vais prendre. Là, c'est la trousse de secours. Qui est vachement bien, que j'avais acheté à Action, ça je peux vous conseiller. C'est un spray pour les plaies, il y a des pansements, il y a du doliprane, je ciel. Crème à l'arnica. Bon, je suis en train de calculer, surtout pour ma pilule, comment que ça va se passer. Donc il faut que j'aille dans tous les cas à la pharmacie en chercher pour le mois. Ça va être très très juste. J'ai fait ma pharmacie, c'est en train de se gameler. J'ai des sacs un peu comme ça, je sais pas si tout va rentrer. Donc j'ai pris de la pommade, des trucs pour la gorge, des trucs pour le nez. Enfin voilà, des compresses. Et aussi, c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment assez, mais il y a aussi la pilule du lendemain que je vais embarquer avec moi. C'est important au cas où s'il y a un problème. Voilà, tout simplement sur place, il y a un problème. Voilà, moi j'ai toujours une pilule du lendemain chez moi en surplus. Mais si vraiment il y a un accident, si vraiment il y a quelque chose de grave qui se passe, au moins j'aurai ça avec moi à Athènes. Parce qu'à Athènes, je sais pas si c'est gratuit, mais en France c'est gratuit pour ceux qui ne le savent pas. C'est vrai qu'on en parle pas assez parce que c'est assez mal vu peut-être, je sais pas. Mais je sais pas, quand tu te fais agresser, violer, t'as pas forcément envie d'avoir un enfant du violeur. Voilà. Donc moi je prends la pilule, hein, voilà, donc il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus. Mais au cas où, j'ai fait donc tout ça
médicaments. Et j'en parlerai bien évidemment avec mon médecin de ce que j'ai pris, ce qui est bon et ce qu'il faut rajouter. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter là-dedans, il y a beaucoup de choses déjà. Donc je vais mettre tout ça dedans. Je pense que j'ai que ça en grande pochette qui est extrêmement éclatée au sol là d'ailleurs. Pour celles et ceux qui n'ont pas trop suivi, ils se demandent pourquoi je prends autant de médicaments. En fait j'ai énormément de soucis de santé et j'aimerais pouvoir ne pas être aux urgences H24 à Athènes. Ce serait super. Donc si je peux avoir des petits médicaments comme ça par-ci par-là, après tout ce qui est un peu technique, bah, bien évidemment que je ne prends pas. Mais par exemple, voilà, tous les trucs de réhydratation, c'est hyper important pour moi, ce genre de conneries. Bah, les trucs comme ça, je suis désolée, mais j'ai des problèmes de cou H24, je me fais tout le temps mal du coup. Les trucs pour les entorses, les trucs pour les pouces, enfin bah je prends avec moi parce qu'au moins je suis tranquille et ça coûte tellement cher en pharmacie. Flemme d'en racheter. Des petites bandes aussi comme ça qui permettent de si tu te fais full le genou, la cheville, le pouce, le doigt, l'ongle, j'en sais rien. Donc c'est pour ça que je prends beaucoup de choses. Il y a aussi ça qui est plutôt pas mal, je l'avais acheté à Action. C'est des, ça j'en mettrai un avec moi dans mon bagage cabine là. Feuilles de savon, c'est à dire que c'est des feuilles, tu mets de l'eau et ça te permet de te laver les mains. Ça c'est super bien, donc ça je vais garder ça un dans la pharmacie et un dans le bagage à main. Tout ce qu'il faut prendre concernant la santé, c'est les Serfa comme ça, vous deux. Enfin moi j'en ai imprimé 5 je crois. C'est des soins reçus à l'étranger, ça veut dire que tu dois faire remplir ça par le médecin là-bas et ensuite t'envoies ça dès que t'arrives en France à ta sécu et ta mutuelle. Donc j'en ai imprimé 5, donc voilà, moi je suis très prévoyante au niveau de ma santé parce que... La poisse que j'ai. J'ai une infection et une inflammation toutes les semaines, donc si on peut essayer de s'organiser un petit peu avant. Déjà, niveau santé, je pense qu'on est tout bon, donc je vais prendre un truc comme ça. Je vais mettre les papiers de l'Erasmus et tout, les dossiers, etc. Je vais prendre avec moi. Et j'ai sur l'iPad aussi, mais au moins avoir des papiers en physique. Non, on va s'attaquer à tout ça. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est le bordel. Donc ça c'est toutes les miniatures en fait que j'avais gardées pour les voyages, en espérant voyager, du coup chose faite. Voilà, il y a des petits trucs que j'ai reçus dans les calendriers de l'Avent, des choses que je vais tester qui sont vraiment pas trop lourdes. Un masque, vous voyez c'est des petits masques comme ça, je trouve ça sympa. Ça je me suis dit vas-y, il faut of course que je teste parce que j'aurai une baignoire, c'est du lait pour le bain. Donc voilà, ça des trucs qui prennent pas trop de place. J'ai tout catégorisé, donc là c'est tous les savons, là c'est trucs pour le bain, les trucs pour bronzer. Tout ce qui est lotion, air mask, un baume main coco. Ça j'ai mis un petit élastique pour que ça tienne un peu mieux. Ça c'est des lingettes démaquillantes je crois. Ça c'est des masques, donc là c'est le jet lag mask, j'ai trop hâte de le tester. Là c'est des crèmes hydratantes, mais bon après j'aurai toujours ma crème hydratante à moi, mais c'est quand je partirai. Un démaquillant doux, yeux et lèvres, donc je vais prendre que celui-là, que le petit format du coup. Et j'en achèterai un autre là-bas à Sephora à Athènes, parce que je pense qu'ils ont ça aussi. Un gel défatigant pour les yeux, il y en aura deux. Et ensuite là c'est donc les savons comme je vous ai montré. Donc là il y a un shower gel aussi juste là. Je crois que j'ai encore des shower gel de chez Rituals un peu plus petits, donc je vais les mettre aussi. J'ai retrouvé ça, c'est exactement le même, donc comme ça j'en aurai deux. J'ai retrouvé aussi ça avec le Ritual Karma, c'est le mien, j'adore. J'ai retrouvé aussi mon parfum et un autre parfum de chez Rituals, petit savon Rituals of Karma, donc il faut que je regarde ce que je prends ou pas là-dedans. Ça c'est plutôt pas mal, c'est une petite éponge pour le visage. J'ai retrouvé aussi des petits masques, mais ça, cette fois-ci c'est des face masks donc de chez Rituals, donc à faire soi-même. Je vais prendre aussi la petite spatule, ça peut être toujours utile. Et maintenant je vais choisir aussi des masques visage à prendre avec moi. Évidemment je prendrai ce bandeau là. Pour les masques du coup, il faut vraiment que je choisisse bien, mais après ça prend pas énormément de place non plus. Je vais me prendre les pieds, donc 4 pour les pieds. Je les ai jamais utilisés ceux-là. Peut-être ça, c'était plutôt pas mal, j'ai essayé avec ma soeur. Après c'est... ouais c'est lourd hein. On va pas prendre ça, c'est assez lourd. On va prendre celui-ci, celui-là aussi. Un masque pour les mains, c'est plutôt pas mal. Après ça aussi, il faut que je les fasse assez rapidement. C'est un peu lourd par contre. Hein. Donc pour les sérums, je vais prendre ça. En plus de ceux que je vais prendre, mais là ils vont... Ah quoique, il va pas vraiment se terminer maintenant celui-là. Hein. Donc je sais pas. Je pense que je vais plutôt le prendre. Et l'autre, je suis en train de regarder en même temps. L'autre, je vois pas où est-ce qu'il est. L'autre, il est encore un peu rempli, hein. Donc en soi, je pense pas en avoir besoin. Je voulais prendre ça parce que c'était petit. Mais finalement, si ma routine soin, elle est toujours available, genre... Et après, il y a ça aussi qui est pas mal, c'est pour le contour des yeux. Au moins, il n'y aura pas grand-chose à prendre en plus, quoi. Les cotons-tiges, je pense prendre genre la moitié. Juste, ça suffira, en coton-tige. Je suis en train de regarder sur Airbnb s'il y a un sèche-cheveux. Et normalement, il y en a un. Et je viens de voir qu'il y a une cafetière Nespresso. Et ils disent qu'il y a du café dedans. Du coup...
En vrai, vraiment, quand je regarde les prix, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai voulu voir pour acheter un appartement là-bas, à Athènes. Genre, c'est entre 1000 et 1500 euros le mètre carré. Enfin, c'est tellement pas cher. Genre, j'ai vu un studio à 50 000 balles, 40 mètres carrés, je crois. Je me dis, mais j'aurais dû tellement acheter là-bas. Parce qu'en 5 ans, c'est rentabilisé au prix que ce que je paye, par exemple. Donc, vraiment, c'est hyper rentable. Et franchement, en 2 heures, j'ai mis tellement de temps. J'ai fait donc mon truc. Donc là, il y a tout à l'intérieur, tous mes soins. C'est hyper lourd, par contre. Putain, fait chier, hein, mais c'est hyper lourd. Pour le make-up, je me maquille pas trop. Donc, ça serait juste un mascara, un courbe-cils, tu sais, des pinceaux, une palette et basta quoi, il y a un anti-cerne, donc voilà, il n'y aura pas grand chose à prendre, donc ça va. Et au pire du pire du pire du pire, si j'oublie un truc, il y a toujours des Sephora là-bas. Non, je suis pas prête encore pour les vêtements, on va s'attaquer aux trucs de maison. Voilà, tout ce que je vais prendre pour la maison. Au début, je voulais prendre ça, mes petites dosettes pour le sol qui sont vraiment très bien, mais je me suis dit, ils vont voir que c'est de la coke. À tout moment, ils vont ouvrir ma valise, ils vont, je sais pas, donc je voulais prendre ça, mais au final... Non. Donc j'amène tous les trucs de la maison sur cette table là et on va faire le tri. Bon, je viens de recevoir le sac pour Prince. Principado. Donc là c'est totalement différent, c'est pas du tout la même chose. C'est un sac, oh il est trop bien. Ah mais si quand même il est assez sécurisé, je pensais pas. Mais il est très grand. Alors, attendez, je vous baisse un peu. Il peut se mettre dedans et je pense que ça lui plairait plus. Par contre je ne vois pas... Le truc pour le tenir. Alors ça, s'il n'y a pas ça, je peux pas. Ah si, il est là. Ok. Prince, do you want to try this bag? Allez, on va tester. Mais je veux qu'il essaye au moins de rentrer dedans. Mais je suis sûre que ça va lui plaire celui-là. En plus, c'est beaucoup plus gros. Enfin, c'est mieux pour même moi, là, pour là, le confort. T'as un sac pour toi? Mais t'as trop de chance. Comment ça se fait que t'as un sac comme ça que pour toi? Do you want to try? Vas-y, va voir mon amour. Oh, regarde. Ouais. Oh là là. C'est déjà mieux que ce que je t'avais fait tester. Déjà au moins tu restes dedans. Bah oui, tu peux mettre ta tête, t'as vu mon cœur, c'est profond. Et regarde. Vas-y, installe-toi mon amour. Bah, on va t'attacher pour pas que tu tombes, parce que s'il y a un accident, bah voilà. C'est pour ton anniversaire, mon amour. Je t'aime. J'ai trop de chance de t'avoir. Je t'aime trop. Ça aurait été bien avec Birdie, hein. Putain, pourquoi je pleure encore? J'en peux plus. Simplement parce que Birdie me manque et que j'aurais bien aimé qu'elle soit là. Par contre, j'ai pris noir, mais je suis pas sûre de... que ce soit une bonne idée en vrai. Avec tes poils blancs. Eh hey, c'est bien, non? T'aimes bien? Alors là, comme ça, tu te dis, bon, c'est un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais ça le fait. Ah oui, c'est beaucoup mieux, là. Je préfère beaucoup mieux ce sac-là que l'ancien. D'ailleurs, l'ancien, je sais pas où il est. Je crois qu'il est à l'entrée. Faut que je me fasse rembourser, du coup, faut que je fasse un retour avec Amazon avec les deux autres sacs d'avant. Donc, au moins, trop contente, faut que je le lave, parce que ça sent Amazon, c'est pas terrible, donc je vais le laver avec les serviettes. Ensuite, disons que j'ai fini pour le truc maison, donc je vous montre ça. En fait, j'ai pris des trucs scolaires et tout, mais vu que j'ai l'iPad, mais je me dis peut-être là-bas, il y a besoin d'écrire, de stylos. De toute façon, il y aura des examens, donc j'aurai besoin de stylos. Du coup, je sais pas, j'ai pris des trucs, mais je sais pas, mais je me dis, ça c'est pas très lourd, mais après, au fur et à mesure que je me dis ça avec plein de choses, bah, ça va finir par être lourd. Donc les priorités pour la valise en fait, c'est déjà la pharmacie, c'était le premier truc, le premier point. Prince, donc toutes ses affaires, faut que tout soit dans les valises. 3, le cosmétique, genre les soins, etc. 4, les fournitures, tout ce qui est maison. Et 5, les habits. Genre vraiment moi, mon truc à moi, les habits, tout ça, c'est vraiment en dernier. Donc là je vous montre ce que j'ai choisi du coup pour la maison. Je vous ai fait un petit truc assez esthétique, j'espère que vous allez aimer. Alors déjà pour les stylos, j'ai pris ma calculatrice. C'est pas con de la prendre je pense, parce que pendant les examens je pense qu'on aura peut-être besoin d'une calculatrice. Des stylos comme ceci, des stylos effaçables. J'ai pris Believe in Magic of course, le panda, le chat et le lama. Donc c'est des stylos que j'utilise assez couramment. Ça c'est les recharges. Ensuite j'ai pris un mini scotch, une mini agrafeuse avec les recharges, un stylo bic 4 couleurs, des crayons, des autres stylos cas où, voilà, une règle, 5 surligneurs, je sais même pas s'il marche, faut que je vérifie, une clé USB, peut-être que ça serait utile. J'ai pris ça pour faire un rangement, c'est pas lourd du tout. Je me dis vas-y pourquoi pas.
Putain, si je faisais ma valise avec ma soeur, elle aurait enlevé la moitié de tout ça. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, admettons, je sais pas s'il y a des livres, s'ils nous fournissent les cours en papier, il faut étudier dessus. Du coup, bah, j'ai pris ça pour organiser. Des petits trombones, des post-it, un post-it comme ça, des post-it transparents, une glue. Et ça, c'est super pratique. C'est un taille-crayon et à la fois une gomme. Donc, au moins, ça fait tout en un. C'est hyper pratique et c'est un panda. Donc, je suis ravie. Donc, voilà. Au moins, pour les fournitures, ce que ça donne, je vais prendre ça en trousse. Ensuite, pour les papiers, etc., donc j'ai pris cette petite pochette là. J'ai pris une to-do list, je sais pas si je la prends, mais c'est pas lourd, t'as vu. Et aussi un weekly schedule, donc c'est vraiment bien pratique ce genre de choses. J'aime beaucoup et je pense que j'en aurais besoin. Après, j'ai encore l'iPad, mais t'as vu, c'est léger et tout. Enfin voilà, j'ai pris ça. J'ai pris aussi des pochettes au cas où si on doit rendre des devoirs, au moins ça sera dans des pochettes. J'ai pris des. Un truc de copie double, genre juste un petit paquet, vraiment tout rikiki, et quelques feuilles blanches au cas où. Après, encore une fois, je peux acheter ça là-bas. Si on peut éviter d'acheter des gros paquets, parce que je sais que les copie doubles, c'est des gros paquets, donc voilà. Ensuite, j'ai pris d'autres feuilles. Donc ça, ce serait plus pour me faire mes fiches. C'est vrai que moi, j'aime bien faire des fiches de révision et les avoir en papier. Donc si je peux pas imprimer là-bas, eh ben, au moins, j'aurai ça pour faire mes fiches. C'est hyper pratique. C'est en plus une qualité hyper agréable au toucher. Ensuite, donc là, on a fini avec les fournitures. Mon père, il m'avait acheté ça à Noël. Alors, à Noël, je me dis, mais pourquoi il m'a acheté ça? Et du coup, en fait, c'est super pratique. C'est un sac à main, en fait, un sac à main comme ça, pour faire les courses. Et du coup, quand tu fais trop de courses, entre guillemets, eh ben, tu as, ça peut s'agrandir. Et surtout, il y a des roulettes. Donc, tu peux le rouler comme les caddies de mamie. Et donc, ça, je trouve ça hyper pratique pour Athènes. Il m'a dit, tu pourras faire tes courses et embarquer ton truc comme ça. Au moins tu te feras pas chier, tu te casseras pas l'épaule. Tout petit peu lourd, mais je me dis ça sera hyper pratique à Athènes. Ensuite j'ai pris des mini rouleaux comme ça pour les poils. Ça c'est super bien, faut que je le dégonfle un petit peu plus pour qu'il soit bien à plat. Mais voilà, tu le gonfles, c'est pour la baignoire ou pour la plage. Enfin voilà, ça permet d'avoir un petit coussin. Donc, je me dis ça peut être toujours pratique ce genre de conneries. Ensuite du muesli, alors je vais pas prendre tout ça, hein. je vais ouvrir ce truc là. Et je vais mettre dans un petit sac, vous savez, refermable pour avoir un petit peu de muesli. Donc j'ai encore le mien là, mais je pense que je vais prendre celui-là, c'est un basique. Je vais prendre un petit parfum d'intérieur, j'ai besoin de me sentir comme chez moi. Je vais prendre tout ça de thé et de sucre, etc. Donc j'en achèterai là-bas, mais au cas où, au moins j'ai mon thé que j'aime. Ensuite après on va s'attaquer à tout ce qui est électronique, mais au moins voilà. J'ai pris ça ensuite, c'est je l'avais acheté à ma voisine. En fait c'est Gugus, vous savez, c'est les trucs qu'on mouille et ensuite bah, ça fait pousser. Donc j'avais dit à ma voisine de le faire en même temps avec moi quand on arrivera, donc je suis obligée de le prendre avec moi. Donc j'enlèverai la boîte. Hein. J'ai pris deux torchons, deux microfibres, j'en ai pris deux du coup. Ouais, deux sacs poubelles. Et j'ai pris surtout une photo de Birdie. Comme ça, elle sera avec moi à Athènes. Donc voilà pour ce que je dois prendre en tant que maison. Il manque juste la multiprise. Donc je l'ai noté sur mon frigo pour pas l'oublier. Parce que la multiprise, c'est celle que j'utilise pour charger mon téléphone. Pause goûter. J'ai même pas mangé ce midi, je sais même pas quelle heure il est, 15h10. Super. J'ai regardé, mais j'ai déjà pris une boîte de pilules en plus pour Athènes. En fait, je m'étais déjà organisée. Et du coup, je me surprends toujours. En fait, je fais des choses que j'oublie par la suite, parce que c'était longtemps que j'ai commencé à faire ça. Et en fait, je me suis organisée il y a 3 mois, et je remarque que vraiment, je suis incroyable. Je m'étonne moi-même de jour en jour. Je me fais des petites surprises comme ça, genre en mode, vas-y, meuf, je sais que tu vas galérer à ce moment-là. Tiens, je te prévois déjà une boîte de pilules en plus. Parfait! De regarder la télé, il y a une pub pour un parapluie. Je viens de penser de prendre un parapluie pour Athènes. J'avais complètement zappé, donc je l'ai rajouté. Là, je suis en train d'imprimer ce papier-là, parce qu'en fait, il faut le faire signer à l'établissement, donc à la fac d'Athènes. Comme quoi, je suis bien arrivée dans leur établissement. Il faudra aussi leur faire signer quand je partirai. Donc c'est pour avoir ma bourse. Voilà à quoi ça ressemble. Faut déposer tout ça pour avoir donc 80% au début et 20%. Il faudra juste que je fasse signer ça parce que ça dure quand même 4 semaines. Voilà, minimum 4 semaines, donc génial. J'ai mis mon manteau parce que. Enfin, mon manteau de nuit, j'appelle ça comme ça. Parce que j'ai vraiment trop froid. Il fait super froid. Pourtant, il y a marqué 20 degrés, mais non, j'ai des frissons et tout. Pas possible. J'ai imprimé mon attestation d'arrivée, de départ. Là, c'est mon truc de registre. Que je devais remplir, mais que j'ai fait sur internet, mais je l'ai fait aussi en papier parce qu'au cas où tu connais l'administration. Et là j'imprime aussi des photos de moi au cas où pour les dossiers, je sais pas. En tout cas voilà, j'ai tout ce qu'il me faut pour les papiers normalement. Maintenant que j'ai tout fait,
Je ne peux plus repousser le moment fatidique des fringues. Je sais pas si tu veux quoi prendre. Je pense que je vais prendre tout ce que je veux, tout ce que j'aime, tout ce qui me fait du bien. Et après, on fera un tri. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai juste fait une toute petite partie de mon armoire. Donc génial, il y a là aussi par terre. Il y a là, c'est des sous-vêtements. Et j'ai reçu un petit colis de chez Cure. Donc je vais vous en parler, ça a l'air plutôt pas mal. On va l'ouvrir ensemble, voir ce que ça donne. En gros, c'est la marque qui m'a contactée pour que je puisse tester. Et je vous avoue que ça tombait à pic parce que mon médecin m'avait dit de prendre des compléments alimentaires. Sauf que je savais pas trop quoi prendre comme complément alimentaire. Enfin, j'ai tellement de problèmes que ça ferait trop, tu vois, de prendre 10 000 cachets par jour. Et du coup, mon médecin m'avait prescrit du magnésium, donc ça j'en ai au moins. Mais entre temps, avec toutes les maladies que j'ai eu beaucoup beaucoup de problèmes, notamment pour mes cheveux. Alors vous êtes nombreux à me dire qu'ils poussent et tout, qu'ils sont longs et beaux. Mais le problème c'est que j'en ai perdu énormément. Genre là, je sais pas si vous voyez, mais là il y a beaucoup de cheveux qui sont partis. Ça me fait un espèce de mini trou. Enfin, je vois qu'il y a beaucoup moins de cheveux qu'avant. Et ainsi que sur quelques côtés aussi. J'ai vraiment vu mes cheveux tomber. Donc à cause des médicaments en fait, c'était vraiment un problème. Et j'avais beaucoup de problèmes aussi concernant mon système immunitaire. On pouvait pas faire grand chose à part prendre des compléments alimentaires. Donc là je suis trop contente, j'ai fait en fait mon petit diagnostic sur le site Cure. Et enfin je vous mettrai peut-être une insertion, ça a duré 5 minutes. Il te pose des questions, tu réponds, est-ce que tu manges de la viande ou pas, est-ce que tu te sens machin, est-ce que tu te sens ceci. Donc tu réponds aux questions et après ils te font un diagnostic avec 4 compléments alimentaires qu'ils te recommandent de prendre. Et ensuite j'ai ajusté, j'ai pris, ils me donnaient aussi du magnésium, donc moi j'en ai eu de mon médecin donc j'en avais pas besoin. Et j'ai rajouté d'autres petits comprimés, donc j'ai rajouté de ma poche, j'ai payé en surplus pour avoir ces compléments alimentaires là. Donc j'ai pris de la radiola et un complexe anti-chute femme, donc c'est pour les cheveux mais aussi ça améliore la peau. Donc c'est super bien expliqué je trouve. J'ai un code de parrainage, c'est ELISA2092, ça vous offre 30% à votre entourage sur la première cure. Donc j'ai eu 30 gélules pour le mois, donc ça se présente comme ça, c'est un petit sachet à prendre. Hop, et dedans t'as tous les compléments alimentaires là. Donc et c'est drôle parce qu'ils mettent des petits... des petites côtes dessus, c'est plutôt sympa. Donc je vais essayer de vous dire à quoi ça correspond. Alors j'ai donc le complexe anti-chute, donc c'est pour vos cheveux et votre peau pour améliorer tout ça. La vitamine D c'est pour mon immunité. Ensuite la radiola c'est pour mon énergie parce que je me sentais beaucoup fatiguée en ce moment, bah je pense que vous devez comprendre pourquoi. Vitamine C c'est pour aussi mon immunité. Et l'oméga 3 du coup c'est pour mes yeux. Mes yeux, j'ai eu beaucoup de problèmes aux yeux, enfin, j'avais une déshydratation énorme et puis je suis tout le temps devant les écrans, donc il faut de l'oméga 3 pour vraiment avoir moins mal aux yeux. Et je crois que la radiola, là au fait, pour l'énergie du coup, c'était aussi pour le stress. Et du coup j'ai du magnésium avec mon médecin qui influe sur le stress et le sommeil. Donc voilà pour ça, écoutez, si ça vous intéresse, vous avez 30%. Et c'est pas très cher, je trouve, j'ai pas trouvé ça incroyablement cher par rapport en pharmacie. Surtout que là, c'est une marque française, etc. Enfin, ils font aussi des vitamines B12, donc c'est pour le régime végétarien. Donc si vous mangez pas de viande et pas de poisson, vous pouvez prendre ça pour combler votre système. Donc ça, c'est vraiment cool. J'avais ça aussi en recommandation, sauf que bah, je l'ai pas pris. Du curcuma aussi, ils font ça pour les articulations. C'est vraiment bien. Et le bacopa, c'est pour le cerveau. C'est pour la mémoire, aider à la mémoire, etc. Ça, je sais que j'en prenais beaucoup du bacopa pendant mes partiels de droit. Les étudiants en droit, normalement, vous devez avoir connu ça. Enfin, je sais pas, peut-être que j'étais la seule, mais en tout cas, c'était notre drogue. Voilà, c'est pas des médicaments, c'est des compléments alimentaires pour que vous soyez mieux dans votre peau, mieux dans votre tête. Et je vais le montrer aussi à mon médecin, ce truc-là. Comme ça, elle va me dire ce qu'elle en pense. Et, mais je pense qu'elle va être d'accord parce que de base, elle m'avait donné un petit peu tout ça à prendre. Et puis, bah, on ajustera peut-être avec elle pour les compléments alimentaires. J'ai ramené par petits tas. Genre là, c'est tout ce qui va être été. Là aussi, c'est ce qui est été. Donc, je vais regarder ce qu'il y a dans le sac pour pouvoir voir ce que je prends. Je mettrai tous les habits dans des sacs. Prince, il arrête pas de miauler depuis tout à l'heure. Je crois qu'elle a compris qu'il y avait des valises à faire. Mon cœur. Il veut pas s'appâter encore. C'est pas le même miaulement, vous voyez. C'est un miaulement en mode « Qu'est-ce que tu fous, Elisa, à faire autant de bazar ?» Ah, mon cœur. C'était quoi ce miaulement, mon cœur? Donc, oui, oui, je te jure que c'est vrai. Donc, il faut que je fasse un tri encore. Enfin, je pense que je vais prendre tout parce que j'aime trop tout ce que j'ai pris. Je suis en train de regarder le château de mes rêves. J'adore cette émission, elle est trop bien. Et du coup, je suis en train de faire les vêtements. J'ai tout plié par catégorie. Donc là, on a les chemises. Là, c'est les shorts, les jupes d'été, des pulls, enfin deux pulls, des gros pulls. Donc j'en ai 5.
Ensuite des petits pulls. Là c'est des combinaisons, enfin des combi shorts un peu style pull. Des t-shirts, jogging. Donald là, comme d'habitude, mes sous-vêtements. Les pyjamas. Là j'ai pas encore trié. Là il y a des robes d'été, là c'est été, donc des débardeurs, des combi shorts, des petites brassières, des t-shirts, des blouses, enfin des chemises quoi. Et là c'est les pantalons, donc il y a les pantalons cargo, deux jeans et des pantalons fluides. J'ai pas pris de jean noir, je pense que je prendrais un jean quand même noir au cas où si j'ai encore de la place. Là c'est des robes pour le soir, donc de soirée. Le truc pour le sport. Et la serviette fera office de serviette de plage, etc. Enfin voilà. Je pense que c'est la merde parce que je n'ai pas fini. Je crois que je suis à deux tiers de ce que je devais prendre. Parce qu'il me reste encore mes costumes à prendre. Il faut que je prenne au moins un costume. Au moins un tailleur ou deux, enfin avec une veste. Et des robes aussi. Des robes style chemise pour y aller. Au cas où, voilà. Au cas où s'il y a des entretiens, si on rencontre des gens. Enfin, tu connais. Et voilà, donc je vais regarder aussi les gilets. Donc il y a des gilets que je vais prendre. Genre les gilets marguerite comme ça, je les prends. Parce que je les aime beaucoup, ça va avec tout. Il faut que je prenne ce sac à dos là, donc c'est pour les road trips que j'ai prévu, si j'y arrive. Prince, il est passé par là, il y a des poils de partout. T'as vu ce que t'as fait? T'en as foutu partout. Regarde ma casquette. Bon là, je vais passer une soirée avec mes voisins pour la dernière soirée avant de partir. Oui, mon cœur. Mais du coup, je dois lui faire des pancakes, ça faisait longtemps, tiens. Avec son lait sans lactose. Du coup, je sais pas combien il reste, il n'y en a pas beaucoup, donc je pense pas en faire beaucoup. Demain, je reprends, je laisse tout comme ça. Je laisse en bordel. Voilà, exactement. Je ne touche à rien. Prince, t'as pas intérêt à foutre des poils dessus. J'ai pris trois robes pulls, donc une noire, une verte et une beige. J'ai pris un ensemble de costumes plus une autre veste en plus qui va avec le costume. Et j'ai pris deux ensembles style costume, voilà, comme ça là, pour l'été. Donc peut-être que ça ira avec le colis été. Et j'ai pas encore fait ça. Je chiale! Donc voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Bye bye!